situation sécuritaire de l'Est du pays. Est-ce que le président Tshisekedi et l'exécutif national sont-ils dans l'impasse de libérer la cité de Bounagana? On va parler de toutes ces questions qui entourent la situation sécuritaire de l'Est du pays. Deuxièmement, la question des élections en 2023. Le délai constitutionnel est-il toujours tenable au regard de certaines configurations sur le terrain et même certaines réalités? Troisièmement, quel discours le président Félix Tshisekedi peut-il tenir devant les Congolais pour pouvoir les convaincre et afin d'avoir un nouveau suffrage? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro. D'entre les lignes, nous recevons une personne que vous allez découvrir, une personne qui sera peut-être, on le saura demain, qui sera cette personne pour ce pays, une personne ambitieuse, une personne qui veut faire connaître son mouvement politique. Cap pour un Congo positif. Positif. Monsieur Berki Lukale, bonjour et merci de cet honneur. Bonjour Monsieur Dan. C'est pour moi, en fait, un honneur d'être reçu sur ces beaux plateaux de Congo Buzz dans cette grande émission Entre les lignes. C'est plutôt moi qui vous remercie. D'accord, Monsieur Berki Lukale, et qui est-il? Quel est son parcours? D'où vient-il? Que veut-il pour le Congo? Bon, merci beaucoup de la question. J'ai quand même un parcours en politique. J'ai, dès mon jeune âge, j'ai été président de la Ligue de jeunes du parti politique Les Francs des Indépendants pour la Démocratie Chrétienne, FIDEC, de l'honorable et gouverneur AI de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. J'ai travaillé dans son parti politique, spécialement au niveau de la jeunesse. Et juste après... C'est là que vous avez commencé votre carrière politique. Et effectivement, c'est là que j'ai eu à commencer ma carrière politique. Juste après... J'y suis allé dans une aventure qui n'était pas si mauvaise, qui était très bonne pour moi parce que c'était une étape, j'ai toujours appelé ça une étape de guerrier. J'ai été secrétaire général de la plateforme politique RDC Nouvel Horizon de Madame Monique Mukuna Mutombo, qui était candidate annoncée aux élections présidentielles de 2018. Et après, me voilà comme étant coordonnateur de la plateforme associative CAP pour un Congo positif, qui a à son sein plus de 200 associations des jeunes. Vous êtes implanté et représenté partout. Vous êtes représenté dans quelle ville? Nous sommes représentés sur toute l'étendue de la République. La coordination nationale est basée sur Kinshasa. Ici sur Kinshasa. Mmh. Oui. Alors vous n'êtes pas un parti politique? Non, mais nous sommes un mouvement des jeunes, un mouvement des jeunes qui accompagne la politique, bien sûr, qui est dans la politique aussi. Oui. Et donc, vous avez des ambitions de conquérir le pouvoir aussi ou de le conserver. Vous êtes dans l'union sacrée de la nation. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui vous a convaincu d'adhérer à l'Union Sacrée? Bon, avant même d'adhérer à l'Union Sacrée, écoutez, nous étions en train d'appuyer cette vision claire prônée par le président de la République. Vision très claire.
très claire, bien sûr. C'est laquelle? Non, mais qui est de remettre le pays sur les rails. Ok. Le pays qui a été mal géré pendant plusieurs décennies, bon, maintenant, et dans sa vision qui est basée sur la stabilité de plusieurs domaines qui ont été mis en retard par rapport à l'évolution de notre pays. Donc vous avez été consulté par le président Tshisekedi lors de consultations. On n'a jamais été consulté, on n'a pas besoin d'être consulté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. Pour pouvoir participer à la vision du chef de l'État, il ne suffit pas d'être consulté par lui-même, moins par ses collaborateurs. Est-ce que le président est-il en train de réussir son mandat, selon vous? Il est en train de le réussir... je pourrais dire avec la mention grande distinction. Grande distinction. Oui. Très bien, nous en parlerons. Il est en train de réussir son mandat. Très bien, nous en parlerons incessamment dans notre troisième thématique. Alors, première thématique ouverte, situation sécuritaire de l'Est du pays. Le président Tshisekedi a fait des promesses à la population de l'Est, notamment... de rétablir la paix et la sécurité, sinon son mandat serait un échec. Ça, c'est la première promesse. La deuxième promesse, qu'il déplacerait le camp, le Kijé, vers l'Est. Troisièmement, il s'installerait là-bas pendant un long moment. Il a dit lui-même que pendant un moment, je serai un habitant de Goma. Alors, est-ce que vous, ces promesses-là, vous, sous une échelle d'évaluation de 10, vous les mettez, vous les placez où? À quel niveau? Non, mais déjà par rapport à tout ce que nous avons comme résultat sur le terrain, sur l'échelle des 10, je lui donne 7 sur 10 pour le moment, parce que la paix n'est pas encore complètement rétablie. 7 sur 10 pour avoir vous savez, quoi? Voilà, je vous explique. Mm. Vous savez, la situation de l'Est, c'est une situation qui est très complexe. Très complexe parce que les différentes tueries n'ont pas commencé pendant que le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Ça fait des décennies, ça fait plusieurs décennies que nos frères de l'Est ne se sont pas aggravés avec le président Tshisekedi, se sont allégés, selon vous. Effectivement, justement. Pourquoi? Parce que j'étais en train de dire, ça faisait plusieurs années, plusieurs décennies, bien sûr, que cette partie du pays vit dans des atrocités. Cette population est en train de vivre avec désespoir. Parce que, en face d'elle, il n'y a pas la paix. En face de cette population, il n'y a pas la paix. Je connais très bien ces coins, j'y ai habité, j'y ai évolué. Je connais Goma, je connais Bukavu, je connais Bunia. Je connais très très bien ces coins. Le problème, c'est qu'il y a de l'hypocrisie. Il y a une forte hypocrisie au sein de la communauté internationale. Vous aviez vu récemment... la sortie médiatique du secrétaire général des Nations Unies. Vous aviez vu, avant bien sûr sa sortie médiatique, il y a eu la sortie médiatique de l'un des chargés de communication de la MONUSCO qui a fait une déclaration aux yeux et aux vues de tous, une déclaration... incendiaire. Et cette déclaration, moi je me permets de le dire, c'était une déclaration incendiaire parce que c'est cette déclaration qui a suscité tous ces mouvements-là de contestation au niveau de nos frères de l'Ituri, nos frères de Goma, nos frères et sœurs de ces coins-là du pays. Alors, vous me posez la question, vous étiez en train de me poser la question de savoir comment est-ce que je me permets de donner 7
sur l'échelle des 10 au président de la République par rapport à tout ce qu'il est en train de fournir comme effort. Le président de la République, tout en n'étant pas naïf, il a rencontré son homologue rwandais à maintes reprises. Je crois, si je ne m'abuse, ça sera même plus de 10 fois qu'ils se sont rencontrés devant les différentes caméras. Le président de la République a tendu sa main à son homologue rwandais pour que la paix soit complètement rétablie, pour que ces petits jeux-là d'hypocrisie disparaissent, pour que l'hypocrisie puisse disparaître, pour que ces petits jeux-là, ces petits jeux, pour que ces coups bas-là puissent enfin disparaître totalement. Et que son peuple vive en paix pour toujours. Mais son homologue rwandais, n'ayant pas compris tout ça, son homologue rwandais, croyant que le président Félix était naïf, pas non, qu'il ne l'était pas, il a sorti ses griffes. Il a sorti ses griffes. Je vais vous dire Alors, au une chose. niveau. Je vais vous dire une chose qui est très très importante. Au cas où les présidents de la République ne pouvaient pas se permettre d'instaurer l'état des sièges, on ne pouvait pas comprendre, vous et moi, qu'on était infiltrés. On ne pouvait jamais comprendre, vous et moi, que il y a certains responsables au sein des FARDC qui complotaient avec l'ennemi de la paix, avec les groupes armés. Au cas où le président de la République ne pouvait jamais se permettre d'instaurer l'état des sièges, Les en efforts. collaboration, bien sûr, en collaboration, bien sûr, en collaboration avec le gouvernement, mais aussi les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, les parlements, on devrait continuer La question à que j'aimerais vivre poser, dans l'aveuglement. est-il toujours possible que les promesses du chef soient tenues? Est-il toujours possible que la paix soit totalement rétablie dans l'est de la RDC avant Je ne 2023? vois pas, je ne vois pas, Monsieur Dan, je ne vois pas de tout ce que le président de la République a eu à promettre à cette population. Je ne vois pas quelle est cette promesse qui n'est pas réalisée. Parce que Toutes les promesses tenues à la population de l'est de la RDC c'est une. sont réalisées. Mais si elles ne sont pas encore réalisées, elles sont en cours d'être réalisées. Pourquoi? Parce que la paix au niveau de l'Est, je vous ai dit que le problème de l'Est, la guerre de l'Est, c'est une guerre très complexe. Et le président de la République, avec sa diplomatie agissante, qui apporte des résultats palpables, malgré qu'il y a une partie de la communauté internationale qui continue à afficher cette hypocrisie par rapport à cette situation de l'Est et qui essaye même d'utiliser certains leaders politiques de notre pays en faisant tout ça. Le peuple congolais, ce n'est pas un peuple qui est dupe. Le peuple congolais est en train de comprendre. Le peuple congolais a besoin de la paix. Pensez-vous que la partie est de la RDC pourra-t-elle Monsieur aller? Dan, Monsieur Dan, permettez que je finisse Allez-y, allez-y, mon argument. allez-y. J'étais en train de vous dire que c'est tout un processus pour que la paix revienne à l'est du pays. Et c'est ce processus-là, c'est cette
procédure que le président de la République est en train de franchir toutes les étapes nécessaires pour que la paix soit rétablie complètement à l'est du pays. Nous avions vu, vous et moi, il n'y a pas, je crois qu'il y a 48 heures, il y a 72 heures à peine, que le président de la République a ces soucis-là de réformer son armée. Qu'est-ce qui a été fait? C'est pas pour rien qu'il a changé les têtes au niveau de l'armée, c'est parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On a suivi le président de la République dans un point de presse, je crois devant Christian Lusakweno et Madame Françoise Bouela Bouaki de la RTNC, en train d'expliquer tous les maux qu'il a vécu à l'est du pays, parce qu'il y est, pendant qu'il était en train de faire la ronde à l'est du pays. Quelles sont les actions fortes? Il a dit ceci, il a dit, je connais qu'il y a certaines informations qui me parviennent, mais qui sont fausses. Certaines informations au niveau de l'armée qui me parviennent, mais qui sont fausses. Par rapport à l'effectif. Mais on a suivi avec vous point de presse. On avait suivi avec vous ses points de presse. Donc, nous avons... Le Congolais accepte d'être manipulé pour priver à son prochain, à son frère, à son compatriote congolais de la paix. Nous avions vu avec vous, par rapport à cette situation de l'Est, qu'il y a même certains chefs coutumiers, certains moines qui collaborent, certains administrateurs des territoires qui se permettent de collaborer avec les groupes armés. Monsieur Berki Lokalé, vous avez loué il y a un moment l'état de siège. L'état de siège, parlons-en. Cette mesure exceptionnelle prise dans la partie du Nord Kivu de l'Ituri aujourd'hui, qui malheureusement, malgré l'état de siège, Bounagana, ça fait 4 mois entre les mains des Rwandais du M23. Malgré l'état de siège qui porterait des fruits. Le même état de siège aujourd'hui, décrié par la société civile locale, qui demande qu'on puisse la lever ou l'adapter. Monsieur Dan, le président de la République, dans un premier temps, par rapport à la prise de Bounagana, le président de la République... Est-ce que le pouvoir est-il sensible aux cris? Est-il réellement sensible aux cris de la population locale? Le président l'a dit partout, nous l'avions suivi dans son beau discours, un discours précis et concis sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président a beaucoup insisté sur la libération des Bounagana qui est occupé par les Rwandais sous casquette du M23. Donc, on ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui que le président n'est pas sensible aux cris de la population du Nord Kivu. À part les discours qui sont faits pour dénoncer le fait que nous sommes agressés par le Rwanda, dénoncer le fait que Bounagana est occupé par des forces étrangères, quelles sont les actions qui sont posées pour justement arriver à déloger ces Rwandais de Bounagana, de la RDC? Mais d'abord, la situation sécuritaire du pays, parce que ce n'est pas le Nord Kivu qui est attaqué, mais c'est toute la République qui est attaquée. Donc c'est un problème qui concerne toute la population congolaise, mais aussi c'est une situation qui demande... qui demande d'abord une conscience nationale. Avant de demander de mettre toute sa foi à nos fardessés, nous devrions d'abord nous unir
tous ensemble, parce que à l'est du pays, s'il y a des jeunes qui acceptent de se faire enrôler par des groupes armés, vous ne vous rendez pas compte que c'est une situation qui est très complexe. S'il y a certains hommes politiques qui sont en train de tirer les ficelles par rapport à la situation de l'Est. De l'Union sacrée de la nation. Le président, bien sûr, qui ont des informations. Le président de la République, le président de la République est en train... Écoutez, on ne peut pas prendre les armes et commencer à tuer nos populations. À Bounagana. C'est question des stratégies. L'armée est là. Nous avons une armée très puissante qui est en train d'être refondée. L'armée est en train d'être refondée parce que, qu'on se le dise, aujourd'hui, tout le monde le sait, notre armée a été infiltrée à un moment donné, à l'époque de Mzé Kabila. Mzé Kabila s'était hasardé de nous prendre un Rwandais et le mettre à la tête de l'état-major général. Et c'était... à ces instants-là même que le Rwanda nous a infiltrés. On le sait tous, ce n'est pas quelque chose qu'il faudra, qui doit se dire derrière les rideaux, mais c'est quelque chose qui doit se dire comme ça en plein air pour que le Rwanda comprenne que le peuple congolais est déjà éveillé. Le peuple congolais n'acceptera au grand jamais, même pas une minute, que juste un centimètre de son territoire pour finir, soit récupéré. Pour finir sur cette question, le déploiement de la force de l'Afrique, des éléments de l'Afrique de l'Est, des éléments de la force de l'Afrique de l'Est dans l'Est de la RDC, comment comprenez-vous cette contradiction qui a eu domicile entre les propos tenus par le général Kenyon, propos tenus par... notamment par le gouvernement congolais, sur la vraie mission de cette force qui vient en tampon. Est-ce qu'elle vient finalement en tampon ou elle vient attaquer les rebelles du M23? Non, mais déjà cette force-là qui est sur nos terres, c'est une force... Selon la diplomatie agissante du chef de l'État, le chef de l'État a trouvé bon, ce n'est pas lui seul, mais aussi ses pairs, entre autres les différents pays qui nous entourent. Et vous avez suivi dans l'une de ses interviews, il a dit que le Rwanda ne pourra au grand jamais participer, la force rwandaise ne pourra jamais faire partie de cette force-là. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Les forces burundaises sont là il y a plus d'un mois. Non, mais ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps. Les forces conjointes, là, elles sont là, mais avec un temps très précis, un temps déterminé. Nous pensons que les présidents de la République ne prend pas des décisions par le fait du hasard. Les présidents de la République prend des décisions, des bonnes décisions au moment opportun. Et nous osons croire que la diplomatie qu'il a eu à utiliser et pour pouvoir faire venir cette force conjointe afin d'appuyer nos forces armées sur le terrain, nous pensons que cette décision n'est pas une mauvaise décision. Malgré qu'il y a eu certains acteurs, certaines personnes qui se sont opposées à cette initiative, bon, écoutez, chacun est libre de brandir son opinion par rapport à une décision quelconque qui peut être prise par le président de la République. La paix sera rétablie dans l'Est de la RDC. Le président l'a dit d'ici 2023, déjà vers la fin de cette année, nous tendons vers la fin. Ouais. Vous allez voir que Bounagana va être libéré. Avant 2023. Avant la fin 2023. Bounagana sera libéré. D'accord.
ça, la population qui vous suit. Ce n'est pas la première fois que la RDC est attaquée. Pendant que le président de la République n'était pas encore... Pendant que Félix Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir, la grande ville de Goma avait été occupée. N'oubliez pas. Là, vous êtes à l'époque... La grande ville... Mais justement... Écoutez, à l'époque de Joseph Kabila. C'est, effectivement, à l'époque de Joseph Kabila, la ville de Goma, la plus belle ville de la RDC, avait été occupée. D'accord. Et il aurait fallu... Est-ce que... La RDC, à l'époque de Kabila, avait engagé une guerre contre les forces qui avaient occupé... C'était le M23 toujours. Justement, mais le M23, c'est le Rwanda sous casquette du M23. Tous on le sait parce que nous avions vu, tout a été... Mais Kabila avait quand même... Tout a été exposé. Très les bien. Armes qu'ils utilisent, la tenue et autres, les bottes, tout ça, les casques, ce sont les Rwandais. D'accord, que vous n'arrivez pas à déloger. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on ne peut pas... Les Rwandais... S'il vous plaît, monsieur Dan, oui, s'il vous plaît. Si vous n'arrivez pas... Aujourd'hui, on ne peut pas... On ne peut pas... nous permettre de pouvoir négliger, soit contester cette diplomatie que le président Félix Tshisekedi... Elle porte énormément oui, de fruits. Oui, oui, c'est une diplomatie qui apporte des bons résultats, qu'on se les dise. Okay. Parce que s'il fallait... Il y a beaucoup de résultats. On ne demande pas. La population retrouve... Je vais juste... L'armée va attaquer au moment opportun. C'est pas parce que nous avons une population. Nous avons nos sœurs et frères à Bounagana. Le président de la République, tout ce qu'il est en train de faire, il a sillonné le monde entier pour expliquer la situation réelle. Très bien. Qui se passe à l'est du pays. Merci. Il n'a jamais mâché le mot. On va... Et nous devons les féliciter par rapport à ça. Parce que... On comprend. Parce que c'est par rapport à sa diplomatie agissante que nous avions découvert... Que c'est les Rwandais. Les hypocrites. Nous avions découvert que même la communauté internationale... Parce que l'Organisation des Nations Unies représente la communauté internationale. Mm-hmm. Qu'on se le dise. Mais elle n'est pas en mesure de chasser les rebelles sur nos terres. Cela veut dire quoi? Qui ont une armée des armes très sophistiquées, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies. Mais est-ce qu'un secrétaire général, est-ce qu'un secrétaire général de l'ONU peut prononcer un tel mot devant la presse? C'est condamnable. Moi, je n'accepte pas ça. Exactement. En tant qu'analyste politique, je ne peux au grand jamais accepter de tels propos. D'accord. Monsieur Berki, Lokale, deuxième thématique de l'émission, Ensemble pour la République, dit qu'il n'endossera pas le bilan du président Tshisekedi. Il devra l'endosser lui-même. Par ailleurs, il dresse un bilan totalement désolant de la gestion du pays depuis 2019. Ensemble pour la République, qui fait partie de l'Union sacrée de la nation, cette famille politique du chef de l'État, malheureusement, déjà au niveau interne, Ensemble dit que ce bilan est un bilan chaotique. Votre réaction? Vous savez, il y a parfois des sujets qui me font mal. Il y a aussi d'autres sujets qui me font marrer. Hein. Il y a certaines réactions de certains acteurs politiques qui, au fait, ils prennent les Congolais pour, excusez-moi les termes, mais ça c'est de nous prendre pour des imbéciles, excusez-moi, je l'ai dit, et j'assume mes propos, voilà. Moïse Katumbi ne peut pas nous prendre pour des cons. Moïse Katumbi a ses membres dans le gouvernement de l'Union sacrée. Ça n'empêche pas de dresser son bilan. Non, non, mais écoutez... Qui lui a dit que les bilans qui lui a dit que les bilans étaient négatifs? Son secrétaire général, il s'est contredit en dernière minute. Il dit que les bilans de l'UDPS, ça sera un bilan
cautionné par l'UDPS seul, ça ne sera pas un bilan qui a été partagé avec l'Union Sacrée, mais l'Union Sacrée a eu à partager une petite portion de pouvoir avec l'UDPS. Mais déjà là, il s'est contredit. Et c'est contredit. On ne peut pas se réveiller, on ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça. On se réveille et on se prend la tête, on commence à faire des déclarations. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Je ne serai jamais d'accord. Je ne serai jamais d'accord parce que pour moi, le bilan n'est pas négatif. De un, le bilan, il est... Le bilan est positif. Je vous ai dit que le bilan, il est positif. Et je vais me défendre. Je vais me défendre. D'accord. J'ai beaucoup de mots pour ça. D'accord. Je vais me défendre. D'accord. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas, je disais, on ne peut pas se réveiller un beau matin et on commence à faire des déclarations ici et là. On commence à... on ne fait jamais du chantage à un président de la République parce que nous sommes ses alliés, parce qu'on a été alliés avec lui, parce que nous partageons avec lui le pouvoir, on commence à lui faire du chantage. Ça ne s'est fait nulle part ailleurs. C'est mais seulement vous, ici chez nous en vous Afrique. Avez réussi dans quel domaine, c'est fait. Vous avez réussi dans quel domaine à l'Union Sacrée de la Nation? Quels sont les domaines où vous avez réussi? Mais écoutez, là, nous venons... il y a eu, par le passé, du point de vue enseignement, du point de vue éducation. Là, je prends seulement un seul point qui est la gratuité de l'enseignement. Okay. La gratuité de l'enseignement, par le passé, il y avait plus de 5 millions d'enfants non scolarisés. Un nombre estimé à plus de 5 millions d'enfants non scolarisés. Mais aujourd'hui, le gouvernement de l'Union Sacrée a récupéré, vous savez, pour la rentrée scolaire 2021-2022, le gouvernement de l'Union Sacrée a eu à récupérer plus de 4 millions. Aujourd'hui, nous comptons 4 millions d'enfants scolarisés qui n'étaient pas scolarisés par le passé. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a une mauvaise foi, quelqu'un qui ne veut pas à ce que son pays avance, peut produire un bilan de ces genres? Nous avions été dirigés dans ce pays pendant 18 ans. Pendant 18 ans. On n'avait jamais eu un résultat comme ça. Il n'y en avait pas. 4 millions d'élèves. 4 millions d'élèves. Chiffre à l'appui. Monsieur Dan. Chiffre à l'appui. 4 millions d'élèves ont repris. Donc là, les études. Vous ils sont sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, on est en train de nous condamner. Oh, vous ne construisez pas des écoles. Vous c'est vraiment, non. C'est un franc succès, en tout cas. Oui, je vous jure. Vous ne construisez pas de l'école. Nous avions trouvé combien d'écoles construites? Le président Félix a trouvé combien d'écoles construites? Ce n'est pas une excuse, permettez, mais je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Matata Mponyo avait dit dans son programme, il fallait qu'il y ait autant d'écoles qui puissent être produites. Mais il y a eu combien d'écoles qui ont été produites? Le projet 1000 écoles. Le projet 1000 écoles. Il y a eu combien d'écoles qui ont été produites? Dans son projet 1000 écoles par an. C'était ça. Si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire, 1000 écoles par an. Il y a eu combien d'écoles qui ont été produites? Jusqu'à ce jour, on ne sait jamais nous produire une liste de combien d'écoles qui ont été produites, construites pendant les 18 ans de règne. Mais on ne sait même pas de la population. Mais grâce à la qualité de l'enseignement, il y a beaucoup d'écoles qui sont construites. Mais c'est effectivement, mais bien sûr, il y a beaucoup d'écoles qui sont construites. Ces écoles-là, elles se trouvent où exactement? Dans quel territoire? Dans quelle ville? Mais dans les projets de Chilé-Gélou, les projets de Chilé-Gélou, il y a combien d'écoles qui ont été construites? Il y a plusieurs écoles qui ont été construites et qui sont même en pleine construction. À Kinshasa ou dans toutes les provinces? Mais partout dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Ici à Kinshasa, vous connaissez? Mais vous n'aviez pas vu. Il y a des écoles qui ont été construites ici à Kinshasa. Mais le ministre Tony Mwamba a dressé son bilan. Il a expliqué devant la presse. Il y a plusieurs écoles qui ont été construites. Il y a plusieurs écoles qui ont été construites. Donc, on ne peut pas se moquer de la population aujourd'hui. Non. Là, très bien. Nous avons laissé le président de la République a trouvé les budgets
à combien? Et aujourd'hui, les budgets sont évalués à combien? Ce n'est qu'une prévision. Non, non, ce n'est pas une prévision parce que c'est de l'argent, ce sont des recettes, monsieur Dan, c'est les recettes que nous enregistrons chaque fin du mois. La DGI, plus de 100%. DGRAD, plus de 100%. Donc, tous ces trous-là qui avaient été bouchés pour que l'État, pour que les trésors publics aient des moyens, ces trous-là ont été débouchés. Mais on doit se le dire. Est-ce que l'IGF, est-ce que l'Inspection Générale des Finances... Restons d'abord sur le budget. S'il vous plaît, oui. Oui, mais c'est par rapport à ça. Est-ce que l'Inspection Générale des Finances est une nouvelle structure? L'Inspection Générale n'est pas une nouvelle structure. L'Inspection Générale des Finances a existé depuis l'époque de Kabila. Vous aviez eu quel résultat? On ne peut pas comparer le noir et le blanc. On ne peut non plus comparer le rouge et le noir. Ce peuple-là que vous voyez, ce n'est pas un peuple dupe. Et on ne peut pas, on ne peut au grand jamais se réveiller un bon matin et on commence à critiquer tous ces parents-là. Ça, c'est très bien. Tous ces parents. Mais ils ne savaient pas. Quel est l'impact? Tous ces parents qui ne savaient pas. Voilà. Que faites-vous avec cet argent-là? Vous avez parlé du budget. Mais les salaires des enseignants ont été multipliés. Il y a combien d'enseignants en République démocratique du Congo pour que cela ait un impact considérable dans toute la population? Écoutez, sur les 80 millions de Congolais, le président de la République, quand il arrive, il trouve que les médecins devraient en principe toucher sa prime à $700. Mais cette prime était déjà supprimée. Les médecins ne touchaient plus cette prime-là. Le président de la République, quand il arrive, il retourne cette prime-là des médecins. Les médecins qui ne touchaient pas cette prime, ça fait déjà des années. Mais le président dit, non, non, cette prime-là de $700 doit revenir aux médecins. Ça, ce n'est pas un point positif. Les parents qui sortaient de l'argent, ces mêmes médecins qui marchent pour demander l'amélioration de leurs conditions. Les parents, non, mais c'est normal. Nous sommes dans un pays. Et l'augmentation de la fameuse prime. Nous sommes dans un pays où la démocratie règne. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent marcher. C'est pas un problème. Les professeurs de l'université. Ils sont dans leur droit. C'est pas les seuls. Le pays avait beaucoup de mots. Il y a aussi les professeurs d'université. Le pays avait beaucoup de mots qui ne. La jeunesse congolaise qui termine les universités, l'université aujourd'hui. Vous êtes en train de m'arracher la parole. Vous ne me permettez pas de terminer mes mots. J'étais en train de dire ceci. Le pays était à quel niveau? Le président de la République a trouvé le pays à quel niveau? Quelqu'un qui trouve le pays au point zéro, soit au point 1, et vous voulez automatiquement qu'il le ramène au point 10, il faut être un sorcier. Comme lui-même l'avait dit dans son meeting à Lubumbashi. Mais je vous jure, il faut être un sorcier. Vous trouvez le pays au point zéro, soit au point 1. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien qui se faisait, non. Mais néanmoins, l'ancien régime fournissait des efforts pour atteindre au moins 4 milliards de budget. Annuel, mais celui qui est là, il fournit des efforts, il ramène les budgets à plus de 10 milliards. x4, oui, il ramène les budgets, x4. Est-ce que vous ne pouvez pas, même si vous êtes animé de mauvaise foi, même si, messieurs, dames, l'état dans lequel notre pays était, je le répète, j'assume mes mots.
Moïse Katumbi de Ensemble, le président Moïse de Ensemble, a dirigé la province, la grande province du Katanga. Il a eu des sérieux problèmes avec sa famille politique à l'époque. Au travers de ça, et au travers une loi, la loi sur les découpages, on a découpé le Katanga en quatre. Le grand Katanga en quatre. Est-ce que tous les efforts que Fifi Masuka est en train de fournir aujourd'hui au Lualaba, tout ce qu'il y a comme prouesse dans la province du Lualaba, avec ses propres ressources de la même province du Lualaba, est-ce que toutes ces ressources-là n'ont pas existé pendant que Moïse Katumbi était gouverneur du Grand Katanga? Le Lualaba n'avait jamais connu de route. Le Lualaba n'avait... Monsieur, qu'on ne blague pas avec la population. On ne peut pas blaguer avec la population. Moïse nous a construit des routes. Il nous a construit des routes dans le Katanga, à Lubumbashi. Mais après qu'il puisse partir, toutes ces routes, on ne peut pas dire que c'était par manque d'entretien, non. Il a construit des petites routes, il a construit des routes pour son propre intérêt par rapport à son stade TP Mazembe. Toutes les avenues de la commune de Kamalondo sont des avenues asphaltées. Très bien. Mais maintenant... À part ce chantier, quel autre chantier, le président Tshisekedi, il nous reste pratiquement 6 minutes pour finir. Quel est cet autre chantier qui a été réussi par le président Tshisekedi? Vous avez 6 minutes pour finir. Écoutez, le président, il faut louer l'initiative qu'il vient encore de prendre. Il avait déjà pris l'enseignement gratuit, il a initié la gratuité de l'enseignement, mais maintenant, il a initié la gratuité pour le soin. Les soins de santé. Pour le soin de santé, voilà. La gratuité pour les soins de santé. Donc, ce sont des initiatives qu'il faudra louer, parce que pour que c'est ça qui prouve parce que le pays est en voie de développement. Le pays était sous-développé, maintenant le pays est en train de se diriger vers son développement. Parce que, pour que l'on sache que dans un pays, il y a quand même des gens, il y a des acteurs politiques qui se battent comme un seul homme, qui s'unissent autour d'une vision honnête et sincère, nous voyons de tels actes que le président de la République est en train de prendre. En résumé. C'est-à-dire... En résumé. C'est-à-dire... Qu'est-ce que... Sur base de quoi le Congolais peut-il à nouveau renouveler le mandat du président Tshisekedi? Pour finir. Mais sur base de tout ce que je venais de vous énumérer ici, parce que les parents qui souffraient autrefois pour payer la prise en charge des études de leurs enfants, ces parents-là ne sortent plus de l'argent de leur poche pour payer la prise en charge de leurs enfants dans des écoles publiques. Ces parents-là, vous ne pouvez pas me dire que ces parents, devant ces parents-là, vous aurez un argument contraire par rapport au renouvellement d'un deuxième mandat au président de la République. Les budgets qui étaient les budgets annuels qui étaient estimés à 4 milliards de dollars, que lui a trouvé à 4 milliards de dollars, il a multiplié cela par 4. La gratuité aux soins de santé. Tout ce que je suis en train de vous énumérer là, ce sont des points qui vont faire en sorte que... Et puis, je n'ai pas touché certains points liés à la construction. Il y a des routes qui sont en train d'être construites. Aujourd'hui à Kinshasa, vous n'allez pas me dire le contraire. Aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes en train de voir Kinshasa qui était autrefois... enclavé, mais Kinshasa est en train d'être désenclavé par la construction des routes, les rapprochements
d'une commune à une autre commune, au travers la construction de routes. On ne peut pas dire que c'est seulement à Kinshasa que tout ceci est fait. À Mbujimayi, il y a des travaux qui s'exécutent jour et nuit par rapport au programme Chile-Gelou. On part au Lualaba, à Kolwezi. Il y a des routes qui sont construites tous les jours qui passent. Chaque jour qui passe, il y a des routes qui sont en train d'être construites. Il y a la ville de Kolwezi. La ville de Kolwezi qui est en train de construire, l'un des plus beaux aéroports du pays. Le Katanga est en train. Le Katanga, à Kolwezi, à Lubumbashi, il y a des routes qui sont en train d'être construites, malgré les maigres moyens. Moyen, ouais. C'est question de volonté. Tout à fait. Pour que ce pays retrouve sa plus belle robe, c'est question Merci de beaucoup. Volonté. Merci. Si on a trois Félix Tshisekedi, quatre ou cinq Félix Tshisekedi, j'ai même ma main à couper, ce pays va redécoller d'une manière extraordinaire. C'est parce que nous avons des acteurs politiques qui ont quand même une notoriété, qui se disent opposants, mais qui ne sont pas opposants pour le bien de la population, qui Merci sont opposants beaucoup, pour leur propre bien. Berki Lokalé, ça ne sera pas la dernière fois que nous vous recevons. Prochain numéro, ça sera un numéro spécial. On va vous recevoir avec les membres de votre famille politique ici présents. Je donne déjà ce rendez-vous à toute la population. Prochainement, Monsieur ça Berki. Ça sera un très grand plaisir pour moi. Ça sera un grand plaisir de passer ces numéros-là avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Berki. Merci aussi à tous les membres de votre parti qui nous suivent. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé ce numéro. Le temps passe très vite. C'est presque une heure qu'on est ensemble. On a discuté de... On a parlé République, on a parlé État, on a parlé élection, on a parlé situation de l'Est du pays. J'espère que vous avez aimé les idées qu'a partagé votre invité de ce soir, M. Berki Lokalé, qui est coordonnateur du mouvement politique CAP pour un Congo positif. Voilà. Mesdames et messieurs, au revoir, à la prochaine.